Yo les potes, c'est UG Gaming, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi les gars, ça va nickel. Du coup on va parler un peu de toutes les nouveautés qu'il y a eu du coup dans cette mise à jour. Il n'y en a pas beaucoup mais on va parler un tout petit peu de tout ce qu'il y a eu. Donc avant tout n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, à partager et à liker cette vidéo. Et n'oubliez pas les gars de mettre le code créateur UG Gaming dans la boutique, surtout on arrive bientôt à la nouvelle saison. Et tous les 50 soutiens les gars, je vous fais gagner des petits cadeaux, donc peut-être des petits passes de combat à gagner. Donc n'hésitez pas à leur rentrer, même si vous achetez rien, ça fait ultra plaisir. Du coup dans la nouvelle mise à jour, du coup on a eu une nouvelle arme, donc pour on sait pas encore qu'est-ce que c'est la nouvelle arme. Peut-être elle sera ajoutée à 16h parce qu'on a des défis avec cette nouvelle arme qui vont arriver du coup jeudi. Donc on sait pas encore qu'est-ce que c'est cette nouvelle arme, mais du coup je vous tiendrai informé dès qu'elle arrivera. On va avoir du coup ce week-end un skin spécial pour les FNCS, parce que du coup ce week-end c'est la finale des FNCS. Du coup on aura un skin spécial directement. Et après du coup on n'a pas tant de nouveautés que ça. On pourra acheter du coup les packs de skins avec des V-Bucks, on pourra les offrir maintenant du coup à vos amis. Par exemple si même votre pote du coup il a une pioche, mais vous pouvez offrir le pack et ça vous comptera moins la pioche du coup. Aussi on a une cup du coup en solo, du coup je vais vous montrer ça de suite. Du coup la cup en solo c'est celle-là, c'est la coupe Deathstroke 0. Participer à la cup Deathstroke 0 le 27 mai pour tenter de gagner la tenue Deathstroke en avance. Donc c'est le top en 1 et 4500 du coup qui gagnera le skin. Et du coup je vous décale juste ça ici. Voilà, et du coup vous aurez ce spray là à partir de 8 points je crois, si c'est comme d'habitude. Voilà, on va aller regarder ça. Donc prix récompense, voilà, au bout de 8 points du coup vous avez le spray. Et top 4500 du coup Europe, du coup vous avez le skin plus son sac à dos etc. Donc c'est de 19h à 22h en solo. Voilà si vous voulez, oula, ok c'est bugué. Du coup voilà, si vous voulez du coup participer n'hésitez pas les gars, c'est totalement gratuit pour tenter de gagner du coup le skin. Du coup à ce qui paraît c'est un méchant du coup de DC Comics. Du coup moi je vais vous laisser là dessus je vais vous laisser avec des audios les gars. On a 6 minutes d'audio du coup par rapport à la nouvelle saison. On a des audios par rapport sûrement à l'événement qui va arriver du coup à la fin de saison. Donc je vous laisse avec les audios. Et moi du coup les gars je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc si vous voulez pas écouter les audios vous pouvez, si vous voulez les écouter, écoutez-les. Ça peut vous donner des petites infos. Et justement s'il y en a qui les écoutent, n'hésitez pas à me dire des infos dans les commentaires. Si vous avez entendu des petits teasers etc, n'hésitez pas à me dire. Du coup les gars je vous laisse avec du coup les infos. Et moi du coup je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GG Gaming, bye bye. Dites, si vous savez qui est cette Sloane, est-ce que vous pouvez m'envoyer un message? Parce qu'elle insiste beaucoup et ça me fait flipper. Pour de vrai. S'il vous plaît. Je sais pas combien de temps il me reste. Je n'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas cette émission. Et ceux qui disent l'inverse sont des menteurs. Ils sont... Bonjour à tous. C'est moi. Je vais bien. Je vais juste mettre mon émission en pause. Je ne peux pas dire grand-chose, mais faites attention à vous. Et surveillez bien les étoiles. Allô? C'est allumé? Allô? Bah oui, personne répond parce que personne n'écoute. Débile. Désolé, faut que j'arrête de me traiter de débile. Oh, même si c'est débile. Mais plus je reste longtemps sans en parler à quelqu'un, plus ça devient énorme et affolant dans ma tête. Ce qui est ridicule, parce que j'ai bien vu ce que j'ai vu. Attendre ne changera rien au fait que les gens me trouveront folle dingue. Ou pas. Bon, arrête de faire la débile, il faut que je le dise. Allez. Ça fait maintenant plusieurs mois que je vois des ovnis. Bon, voilà, c'est fait. Je l'ai dit, et je suis toujours en vie. Et en fait, ça va mieux. Vive le partage. J'ai vu des ovnis. Des soucoupes volantes. Voilà, je l'ai dit. Ok, maintenant que c'est dit, autant continuer. C'était dans la nuit, super tard. J'étais en train de fermer ma voiture. J'allais rentrer chez moi, et là, du coin de l'œil, j'ai vu quelque chose se déplacer. Oh, qu'est-ce que c'est que ce surnom? Oh non, c'est super gênant. Donc, vous me croyez? Quel genre d'intérêt ça servirait? Promis, c'est pas du tout...
tout mon intention. Et même si c'est vraiment très flatteur, je ne suis pas un génie du mal. Et ils sont en train d'écouter? Oh, c'est encore plus gênant! D'accord, d'accord. On va voir si c'est vrai. Salut, moi c'est Marie. Si un jour vous avez vécu quelque chose que vous n'arrivez pas à expliquer... Oh, désolé, voilà, je me tais. Oui? Vous voulez en parler? L'espace est trop grand. Ça fait des années et des années que je garde cette opinion pour moi, mais ça suffit. L'espace est trop grand. On n'a pas besoin de tout ça. La Lune, c'est sympa. Donc, un peu d'espace, c'est bien. Le Soleil aussi. Mais au-delà de ça, non, c'est trop. D'ailleurs, l'océan devrait faire 1 mètre de profondeur. Désolée, je lis des trucs sur les extraterrestres, là, et c'est flippant. Savoir qu'il existe peut-être une vie là-haut, j'ai connu plus rassurant. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a été prévenus. Ça fait un moment qu'ils sont genre « Regardez nos vaisseaux !» Et nous, on est là genre « Oh non, on n'a rien vu !» Mais on va pas pouvoir se défiler éternellement. Je pense que le moment est arrivé. Et je pense aussi que ça va pas bien, mais alors pas bien se passer du tout. J'en parlais avec mon psy. Enfin, c'est pas vraiment mon psy, c'est juste un chien avec un regard très compréhensif. Et je pense qu'il est temps d'admettre que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais en unissant nos forces, peut-être qu'on trouvera la solution. Donc si vous entendez ça, n'hésitez pas à me répondre. J'arrive pas à me décider. D'un côté, je me dis que les extraterrestres vont débarquer et nous exterminer pour le plaisir. Mais de l'autre, je peux pas m'empêcher d'espérer qu'ils vont partager leur technologie futuriste avec nous et nous accueillir dans le club galactique des sociétés avancées. Et puis je repense à toutes les fois où j'ai vu des fourmis. Et au fait que je me suis jamais dit que j'allais leur apprendre à utiliser la roue. Alors c'est peut-être idiot d'espérer que ça nous arrive à nous. Donc si vous m'entendez là-haut, on est des bons élèves. Bon, en vrai, non. Mais allez, je suis sûre qu'on peut trouver au moins 50 personnes intelligentes. Aujourd'hui, les extraterrestres sont déjà parmi nous. La preuve, avec les pieuvres. 8 bras, savent résoudre des problèmes. 1 goût pour les couleurs. Si on me disait que l'océan était une aire de repos pour extraterrestres, franchement, j'y croirais. Info exclusive, les kangourous, ces grands fripons, sont en fait des extraterrestres. J'ai décidé que non. N'allons pas blâmer les autres pour les ornithorynques, ceux-là sont bien de chez nous. Je vous avais demandé d'envoyer des questions sur les extraterrestres et... je ne m'attendais pas à une telle réaction. Merci à tous ceux qui ont envoyé leurs questions. Et à tous ceux qui m'ont demandé d'arrêter, je vous ai entendu. Et j'ai choisi de vous ignorer. Première question, du fermier blindé. Je cherche des volontaires pour défendre mon maïs. Pouvez-vous m'aider? Bon, ben, si vous êtes dans le coin et si le maïs vous tient à cœur, vous savez quoi faire. J'adore vos questions, vraiment. Continuez à m'en envoyer. Broussaille nous écrit. En fait, c'est juste un dessin d'un arbuste qui fait un câlin à un bonhomme en bâton. Est-ce que c'est... Oh, mais c'est moi, en fait. Oh, Broussaille, c'est vraiment beaucoup trop gentil. Oh, il y a quelque chose d'écrit. Ça dit... Hihihi, ne les laissez pas nous manger. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Je ne peux pas promettre qu'ils ne vous mangeront pas, mais je pense que vous êtes vénéneux. Alors, même s'ils le faisaient, ils passeraient un sale quart d'heure. En espérant que ce soit rassurant. Continuez à pousser vers la lumière, mon ami feuillu. Alors, Zorgoton nous écrit, en tant qu'extraterrestre présent sur l'île depuis des années, je voudrais savoir pourquoi on ne me demande jamais mon avis sur la question. Sans doute parce qu'on pensait que c'était un costume. Et aussi parce que vous êtes un peu à deux tensions. Et parce que c'est pas tout de posséder la sagesse des étoiles, mais il faut s'exprimer un peu. Nouvelle question. La professeure Sloan dit nous dit ceci. Veuillez cesser de traiter de la question des extraterrestres immédiatement. Oh oh, on dirait que quelqu'un sait des choses. Dites-moi d'abord qui vous êtes et ce que cherche Io, et après on en reparle.